le show. DJ Marco. Ok. Tout est défi. Matador. On va faire le show. Exposer ton talent. Donc ici, tu es à la maison. La scène là-bas, c'est chez toi. Tu fais ce qu'il faut pour que les gens sachent quel est ton talent. Parce que moi, je sais que toi, tu as un vrai talent. Elle va commencer à parler ici et elle va monter sur scène. Donc toi t'es sur Lucien et sur Virginie. Voilà. Elle va sortir dans le noir là, ça marche. Ok. Virginie, c'est quoi cette histoire? Toi maintenant tu es là-bas, tu danses avec le public. J'avais envie de faire le show, attends. Comment est-ce que... Si c'est mieux. Viens on va travailler, non? Applaudissez Virginie Lucien s'il vous plaît. Alors, c'est quoi notre programme aujourd'hui? Le programme, alors. On va recevoir donc une chanteuse, elle s'appelle Lil Soul. On va recevoir des danseuses, parce que j'ai vu que tu bougeais pas mal. Alors, c'est cinq jeunes filles, et donc elles s'appellent les Blazing. Et donc, on a un duo de chanteurs-danseurs aussi, ils s'appellent Sheik et Charlie. Oh là là. Et donc, parce qu'il nous faut toujours un humoriste. Oui. Alors, qui sera là aujourd'hui? Katia Doris. Ah,
Et donc... On s'arrête là, quoi, non? Bah, je crois, non. DJ, non. Il y a qui? L'invité VIP? Ah, d'abord, il y a un DJ, oh! DJ Merco, oh, oh! Oh, oh, oh! DJ Merco, oh, oh! Oh, oh, oh! On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît! Bon. Ça y est, on peut rentrer chez vous. Bah, ouais. Bon, c'est qui? C'est qui? C'est caméra, qui? Caméra, caméra, zoomé, quoi? Caméra, caméra, zoomé. Zoomé. C'est qui qu'on va voir? C'est qui? C'est bien ça? Bah, je crois, oui. Alors faites un maximum pour Jessie Matador, s'il vous plaît! Maximum de bruit! Caméra! C'est chaud! Ça va ou quoi? Vous êtes chaud ou quoi? Aïe, aïe, aïe! DJ Marco, tout le monde, levez les mains, 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 levez les mains. Dites oh, 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 ok. Alors je crois que avant de chanter, donc tu étais danseur. Voilà, toujours, danse toujours. Oui, mais maintenant avec le micro. Voilà. Et donc tu as fondé le groupe Célestao. Célestao. Et donc, en fait, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas fait carrière ensemble. Du moins, tu as décidé un petit peu de t'écarter, même si vous faites toujours des prestations sur scène. Mais pourquoi ne pas avoir débuté en tant que groupe? Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à chanter, mes amis de la Célestao ne chantaient pas encore. Ils n'étaient même pas intéressés, en fait, à la base. Donc moi, je me suis lancé pour décaler Guada. Et après, ils ont pris vraiment goût à la chanson par la suite. Et maintenant, ils chantent tous et... Du coup, maintenant, je les produis aussi. Donc, ouais. Là, c'est les Sao d'un côté, les Matador, on travaille à l'américaine, quoi, tu vois. D'accord. Et ouais. Donc, ils vont sortir un album, oui, ce que oui, j'ai entendu. Oui, un album, d'accord. Oui, enfin, un premier album. D'abord, le premier son, c'était Zamunda. Ouais. Il y a encore d'autres sons qui arrivent. Tous vont se gratter, samedi soir. Vraiment des bons sons. Vraiment, en tout cas, moi-même, je suis fan de la Célestao, quoi. Comme MPL, pour la gaule, comme Laurie, elle est cool, elle est cool, comme mamie, elle pousse sur le dance floor, comme chaîne PL, à l'ambition, elle veut réussir, sans prétention, elle arrive à me séduire, je veux des peines, rêve de sabbat. Ok, c'est à vous, on y va! Pleine promotion de ton album, voilà. Electro Soukous. Mm-hmm. Donc le titre parle un petit peu de lui-même, c'est plus électro alors? Non, électro, parce que quand on dit électro, tout le monde pense à boum boum boum, non, c'est pas ça. Disons que c'est. La phase avancée du concept African New Style, on a dit que c'était un mélange de plusieurs genres, de musique afro, hip-hop, un premier de tout. Disons que là c'est un peu plus on va dire dance floor, tu vois, que le premier. Le premier était vraiment afro, et le troisième que je prépare sera afro chocolat. Donc pourquoi? C'est parce que c'est un peu la tendance ou c'est un style que t'aimes bien aussi? Non, parce que c'est ce que j'ai voulu faire. En fait, moi je me dis avant tout, c'est d'abord se faire plaisir à soi-même. Quand tu fais un album, il faut d'abord que toi, tu sois le premier fan, le premier autocritique de ce que tu fais. Et moi, j'ai vraiment voulu faire ce délire-là. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup kiffé, en tout cas, la réalisation de l'album. Bon alors Jessie, avec du recul, l'Eurovision, quel sentiment tu en as? En fait moi, comme bon, je parle en toute franchise, hein. Disons que moi tout au départ quand j'étais nominé, je sais pas que t'as pu voir un peu les critiques qu'il y avait. Et j'ai fait une interview là-bas, on m'a demandé, ça te fait quoi représenter la France? J'ai dit moi ce soir, c'est avant de passer sur scène, j'ai dit moi ce soir, je représente d'abord le Congo, ma famille, et après la France. Voilà. Donc c'est en fait une double fierté de représenter la France, mais aussi la scène africaine. Mais non, imagine-toi. Moi, j'ai commencé, on va dire, à chanter en 2005. Donc là, j'ai d'abord en plus chanté approximativement. J'ai décalé Guada, tout ça, tout ça. Et un jour, on dit, bon, Jessie Matador, Eurovision. Mais imagine. Non, mais imaginez ma mère qui est chez elle, quoi. Qui fait sa semoule, elle voit la télé. Mais c'est mon fils. C'est mon fils. Oh, tu vois un peu la fierté que ça fait? Eh ben, ouais. C'est ça, en fait. C'est plus pour mes parents, pour mon entourage. C'est ça vraiment qui fait plaisir de... C'est ça qui fait vraiment plaisir, tu vois. C'est tout ça. Tout le monde,
allez, 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 oh là. Allez, 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 oh là, olé. Allez, 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 c'est le son de l'année. Ok, DJ Merco. On doit, comme on dit toujours, on va faire le show. Ok. Fais du bruit pour le plaisir, laissez tout le monde faire du bruit. Hello everybody, I'm Blazing. Moi c'est le groupe Giant. Keep it blazing. Don't fool it, many white lady. One Benjamin, that's the mother lady. Money roll out, won't be like gravy. Walk from a phone, but I spend my baby. For be like me, some girl I hear Mary. Wish when I start a card, it's too fiery. But you never ever ever gonna be like me. My bank will fix it, it's a OG. We am a set, some girl I try to call them in a pain like a man to be. Taking up with the big man from Galilee. If you never hear cheese fix, God bless me. Them flow around like refugee. But no man can question. Ok, c'est Blazy, n'est-ce pas tout le monde? Si. Alors Blazy, ça nous est venu comme ça. C'était une inspiration en regardant un clip de Sean Paul, je dois l'avouer. Je dois l'avouer qu'il s'est inspiré. Donc en fait, Blazy, ça représente surtout un état d'esprit, c'est-à-dire quand on est sur scène, c'est l'étincelle qui est en nous. C'est ce qu'on a envie de transmettre, quelque chose de flamboyant, de vivant en fait. Donc voilà, Blazy, c'est vraiment un état d'esprit quoi. Wine if you are white, if you are shit, jiggle if you are jiggle, break if you are break, thick if you are thick, tap tap if you are tap. Wine up your ass, make you feel the energy. Turn it up, up on your head, change up your position. When them yell ya, wine them no take no intermission. Slow wine if I slow, fast wine if I fast. Session, go down touch the ground, you no hear a mission. Alors, en fait, Martinique. Donc nous sommes arrivés deuxième, donc le premier groupe français sur cinq, donc on est vraiment fiers de ce titre, deuxième international. Et le plus gros de notre activité, c'est sur les stages, on fait beaucoup de stages, en France, à l'étranger aussi. Ça veut dire que vous apprenez. On apprend des cours, ça varie de 2h-3h. It's okay, girl, forget the foreplay. Bend your back, knock your knee from your nose. Say you whine like you want the apple vodka and OJ. Tangle up on me like a crochet. Okay. And whine and dip like you want set it off. Elle s'appelle Quincy. Elle s'appelle Quincy. Fais du bruit pour Quincy, c'est tout le monde. Thick girl, your feet sweat it off. Okay. And whine and dip like you want set it off. Move your hip like you want take it off. No matter the distance, she want let it off. Tick, 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 girl, your feet. Mr. Giant, wine, wine, fine, so cock up your foot, man. Mind okay, Giant, fais du bruit. Every dance and queen show you should a book, man. You know if you look, man. One wine, you hook, one. Woo! Just like a one seat. Aye. Dash it again, like a repeater. Okay. Exhibition, wine in your feet. Take them to school, now the wine in teacher. M.D. Hip like you want, set it out. M.D. Hip like you want, take it out. Yeah, no matter okay. The distance, she want, let it out. Woo! Tick, 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 girl, your feet sweat it out. Yeah. Wine and dip like you want, set it out. Yeah. Move your hip like you want take it off. No matter the distance, she want let it off. Yeah. Tick, 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 girl, your feet sweat it off. I'm not lying, girl, oh, you find the way you do it. It's like your design, oh, so right up on the line. In such a short space of time, you give me the swagger wine, dollar wine. So many other kind. It's okay, girl, forget the foreplay. Bend your back, knock your knee from your nose, and your wine like you Bah, très bien, une bonne équipe, on a vu une équipe au top, belle accueil, un public chaleureux et bon, c'est bien d'être là. C'est très bien passé. Tick, 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 girl, your feet sweat it off. Wine and dip like you want, set it off. Move your hip like you want, take it off. No matter the distance, she want, let it off. Swing, 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 swing. Ok, le policier, c'était le Blazing ici. Voilà. Waouh, 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 waouh. Voilà. Avec les blocages et tout. Ok. Alors, on a un petit peu un coup de cœur là, petite dédicace à un groupe jamaïcain qu'on a beaucoup apprécié en Martinique qui s'appelle Aya Style. Ça va faire 5. Aya Style represent. Bada, 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 boum.
les vidéos d'habitude. Keep it blazy. On va faire le show. On va faire le show. Yeah, yeah, à partir de chez on fait quoi, quoi. On veut voir les tout le monde, tout le monde, tout le monde, let's go. We will make love, vous donnez du bon. We can't dance, we can't dance. Qui est Charlie, qui est Shake? Charlie? Shake, c'est pas qu'un peu. Mais oui. We can't dance, we can't dance. Yeah, ha ha. Yeah, yeah. Au départ, c'était juste des maquettes. Mon premier album qui s'est mis en forme petit à petit. Soit des balades, des morceaux très clubs. Sur les routes avec ce CD. Bon, le zarbi, la joie, vous avez tous le mot d'or. Throw your hands up, heavy for the desert. La musique est juste une parcelle, on la parcelle. On se met toujours à l'heure, un bon réglage, pas de larcin. We know exactly what we have to do. An extraordinary recipe just for you. Se place en bord des chats, se place en bord des chats. C'est du blanc et du noir. C'est ouais, c'est vrai. Blanc noir. C'est aussi hip-hop et R&B. Voilà. Et nous on a appelé ça le groove. En fait, on mélange ça. Ça existait déjà. Ouais, voilà, on a gardé ce mot groove. Voilà, parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était du rap et que du hip-hop. Ça va ou quoi ? Mais aussi que ce soit les musiques R&B et que j'ai aussi des influences différentes. Charlie avait ce côté R&B, une bonne mélodie. Avec obsession, mais yeah, 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 yeah. Oh, yeah. Ça rime avec passion. Oh yeah, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. On écrit dans tous les genres. Yeah, 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 yeah. Oh, tant que le public ressent le message. Oh, 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 oh. Que la physique te pousse à être leader. Au-delà des clichés, on amène un peu de fraîcheur. Fraîcheur. Rien n'est facile. Il est dur de faire des classiques. Donc, un peu de toi. Alors moi c'est R. Kelly, c'est la musique de film, j'aime beaucoup les musiques de film. C'est musique classique en général, donc voilà pour la composition. Finalement c'est vrai que je travaille énormément les mélodies. Et j'essaie vraiment de faire une mélodie qui passe dans l'oreille, accompagnée d'un bon refrain. Allez tout le monde le bras en l'air, juste le bras attention. En l'air, le bras en l'air, avec nous. En toute occasion, kiffe le bon son. Na 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 na. Shake it, shout it, what up? Shake it, shout it, what up? Hey. Moi, c'est beaucoup plus le côté West Coast California, tout ce qui est Snoop Dogg, tout ça. En plus, il y a même des trucs pour en avoir de la funk, des choses un peu plus françaises, je dirais. J'adore écrire, moi, donc j'écris un petit peu l'anglais, un peu français, des balades, comme des morceaux un peu plus. Moi j'étais plus porté sur les balades, on a fait beaucoup de concerts tous les deux. Et moi en tant qu'artiste solo, puisqu'on avait la carrière solo et on se retrouve aussi je me suis rendu compte que le public avait besoin de manger. Quand ils sortent de chez eux, c'est pas pour entendre des chansons tristes, c'est pour manger, c'est pour penser à autre chose. Chaque m'a apporté ce côté là. C'est que je ne maîtrisais pas, de par son temps, je suis un club de nuit, il voilà, y a moyen de faire un parcours. Non, il est ambianceur, c'est pour ça que t'es DJ aussi, moi je travaille avec DJ, c'est ce qu'on fait. On va faire le show. Come on, yeah. Ça va toujours? Hey, c'est merci à vous. Ok. Ok. Oui. On va faire. Yeah. Faites un maximum de bruit, s'il vous plaît. On va faire le show. Bah là, l'avenir, c'est l'album. Le deuxième album qui arrive dans les bacs. Au mois de janvier. L'aventure continue. The Story Goes On. Le deuxième album, Charlie Shake. Avec les tournées qui vont suivre derrière, les tournées clubs, les tournées festivals, les projets associatifs. Parce qu'on est un peu aussi comme Eliane Cast, on aime aussi beaucoup aider les gens, participer à des projets caritatifs, auprès des fondations, auprès des foyers dans le Québec, etc. Concerts, on soutient par exemple les APF, les handicapés de France. Tout à fait, oui. Donc on a aussi une démarche comme ça. Une démarche aussi associative, parce que... tout le monde a le droit de danser finalement, même si on n'en a pas les moyens physiques, tout le monde a le droit de danser. Il me fait peur là. Ces types là sont trop balèzes de toucher 2 mètres, de toucher 1 m 97 et moi avec mon pauvre 1 m 85. Mais bon, c'est pas grave, j'avais mis les lunettes à l'américaine, donc ils ont fait le... Hey Charlie, check. Venez, 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 venez. Ah oui, on est nous.
il a une voix en or. Fais-nous un petit truc, vas-y, fais un petit comme ça, capilla, comme ça. Hey, vas-y, Charlie, un petit. Slow it down. Cause this is not a way. Not a way, not a way. You're losing up the game. The game, game. Gone, we want a good brawl. Yeah, but I see the sky someday. It's raining hardly. You can fly right away. You're not a convict. This is time for the show. Time for the growth. Trust in yourself. You'll be a better man. You're born and raised in a crowded city. Ran between joint pain and middle class family. And let this feeling show it all. It's been hurt and it seems to have left. C's on the chick, G's on the chicks, chicks. Something bad happened. Hey, K tonight. I'm gonna make a real investigation, trust me, little boy, we're gonna fight solution. Yeah, yeah, yeah. Trust me for your daddy, yeah. Boy, boy, that's what it is. Oh, I failed to show peace. Yeah. www.myspace.com/shakecharlie. Sur le MySpace, vous avez un lien Facebook. Et si vous voulez chercher sur Facebook, tapez dans recherche Charlie Sheik, la rencontre de deux univers. Voilà. Si vous ne trouvez pas Sheik Charlie, vous cherchez Charlie Sheik. Parfois on inverse, on s'amuse comme ça à inverser les deux, mais on trouve toujours Sheik Charlie ou Charlie Sheik. Ok, et sinon www.alencast.fr. Exactement. Merci, et merci aussi à toute l'équipe d'Alencast. On a été super bien accueillis. C'est ça, c'est pour le message et pour vous, on a été super bien accueillis. Continuez comme ça, vous faites un super. Comme on dit, from the ground to the top. Et là, ça va vers le top, donc c'est parfait. Peace. On va faire le show. Avec Alencast, on va faire le show. Si c'est comme ça, j'userai de mon caractère, de mes paroles pour faire taire la minorité vénère. Si c'est comme ça, je mettrai mes larmes de côté, j'avancerai comme un guerrier, les jaloux pourront pleurer. Si c'est comme ça, faudra rester déterminé. Si c'est comme ça, à jouer sur des terrains minés. Si c'est comme ça, si c'est comme ça, faut qu'il continue à parler, nous on ne fera que s'élever. Si c'est comme ça, d'accord. Alors moi je connaissais la marque Lady. Oui, est-ce que ça a été inspiré de ça? Absolument pas, ça a été inspiré de la musique que j'ai en fait petite. Surtout le reste, je n'ai pas choisi, c'est comme ça, j'ai couvert les yeux. D'accord, la soul, mais vraiment la soul, la soul. C'est une dérange, compliqué. Les gens préfèrent se marcher dessus plutôt que s'entraider. Et tu demandes pourquoi ça marche pas, ça marche pas. Et tu demandes pourquoi t'avances pas, t'avances pas. La vie c'est pas un test, love psycho. Retourne dans tous les sens, tu trouveras rien au verso. Si c'est comme ça, j'userai de mon caractère, de mes paroles pour faire taire la minorité vénère. Si c'est comme ça. Très loin d'être entier, entre les rois du mytho, les dames du paraître, les valets du faux, moi j'ai joker et j'arrête d'essayer de reconnaître les vrais. Sur la durée, nos vies opèrent pour les démasquer. Moi j'aimerais juste avoir la paix. La guerre, je la ferai à tous ceux qui voudraient insister à me dire je t'aime juste pour profiter de mes douleurs, mes peines, mes. Me faire sombrer, j'ai. Donc, est-ce que t'as l'habitude des scènes? J'ai cru, par exemple, que tu avais fait la première partie de quelqu'un. Oui, tout à fait. Mais ça veut pas dire que c'était une bonne habitude. Non, c'était une opportunité que j'ai prise avec plaisir, mais bon, j'ai pas une habitude des scènes, pas encore en tout cas. Mais ça commence à avancer, j'ai fait une tâche dernièrement. J'ai refait une scène à mon bar de par la première partie de la parole. Donc, ça commence à jouer. Et maintenant, on va faire un peu de live. Voilà, exactement. C'était comment? Parce que le public, quand on va faire le show, il est ambiancé. Ouais, j'ai vu ça, c'est j'ai bien kiffé le dire à quel point. Dans vos attitudes, dans vos maladresses, dans vos certitudes, j'ai su reconnaître le malin plaisir que vous prenez à détruire les gens, leur taf, leur sentiment. La vraie question, ce serait comment la ressembler.
Donc le morceau c'est Si c'est comme ça, qui était déjà vous enviez tellement si c'est comme ça. Tu sais de mon caractère, mes paroles pour faire taire. D'accord, merci, si c'est comme ça. Vous googlisez. D'accord, voilà. C'est simple. Twitter, Facebook, il y a le chat blog qui sort, le Facebook, le Twitter, le MySpace. Il faudra rester Eliel, si c'est comme ça. À jouer sur des terrains, si c'est comme ça. Si c'est comme ça, faut qu'il continue à parler. Nous on ne fera que s'élever si c'est comme ça. Merci, merci. Le filmeur filmé. Voilà. Eh oui. Du con, du con. Il a fait le show. Avec la dédicace, on va faire le show. Ça s'est bien passé? Oui, nickel. Ouais, ouais, très bien. Très bonne ambiance. Ça bouge bien. Vas-y, Katia, bouge ta manière. Bouge ta manière. Bouge ta manière. C'est ça les plus, on va faire le show. Un grand bordel. On va faire le show. Bah, je suis vraiment très heureuse de venir ici. J'espère que la prochaine fois, j'aurai un loge à moi toute seule, avec une maquilleuse, des bouteilles d'eau et du gingembre. Merci beaucoup. Hey, mets un petit saut là, on va voir s'ils sont prêts. On va rigoler. Ici, il n'y a pas de filles comme ça, il n'y a que des filles sexy qui viennent de chez nous là-bas, de l'autre côté. Un maximum de bruit pour Katia Doris, s'il vous plaît. Tout le monde t'attend, mais on y va. Ah, tu peux te lever, non, lève. Hey, tout le monde debout, on la laisse pas tout seul, on est la famille, tout le monde debout. Tout le monde, 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 tout le monde. Ok. Oula! Ça c'est Katia Doris, faites un maximum de bruit pour elle s'il vous plaît! Bonsoir donc Katia Doris, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, alors j'ai vu que tu étais, parce que j'avais des petites recherches. Ah oui? Donc que tu étais auteur, réalisatrice, actrice, en plus d'être humoriste. Ouais. Et j'ai vu sur scène que tu étais aussi danseuse et MC, ça fait un peu beaucoup. Donc ouais. Pour la danse, t'en parles à personne. C'est bon, hein, j'avais un bon professeur. Auteur, bah, quand t'es humoriste en one man, c'est plus facile d'écrire ses textes. Pour soi. Voilà, d'accord. Pour soi. Mais j'écris pas toute seule, j'écris avec d'autres gens parce que c'est aussi plus sympa d'écrire avec d'autres parce que du coup ça élargit ta vision, de ta propre vision de l'écriture ou de ce que tu veux traiter comme sujet. Ça, c'est du bruit! Merci les filles, merci les garçons. Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir? Ouais! Mais il y a que ça même! Il y a des mecs dans la salle ce soir? Mais la classe! Les mecs, j'ai pensé à vous aujourd'hui, je me suis dit sincèrement, je pense que Dieu est un homme. Et c'est pour ça qu'il a donné aux hommes force et courage. Ouais, il faut beaucoup de force et de courage pour rompre par texto, non? Tiens, il y en a un là. Toutes sur lui, les filles. Le message, ça donnait « T'es une fille géniale, je suis pas prêt à m'engager, on en reste là, à plus ». Moi, j'ai voulu lui répondre lâche, ordure, lopette. Mais j'ai abrégé, j'ai mis lol. Auteur, c'est fait. Auteur, c'est fait. Réalisatrice? Réalisatrice, j'ai réalisé un court-métrage. D'accord. Et Vie de rêve. Ouais. C'était sur une fille qui utilisait le sujet de la drogue pour s'en sortir. Et donc, bon, ça, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que dans la vie artistique, ça arrive, mm-hmm. ce genre de truc. Et je pense pas que ça soit une solution. D'accord. Donc, ça, c'était la... C'était le message et je prépare un autre court-métrage. Ok. Bon, évidemment, ça c'est une vie de merde. On est deux. Non ? C'est pas une vie de merde tous les jours. Hier, j'ai fait les boutiques et j'étais très contente parce que je me suis trouvé un petit jean taille basse trop mignon. J'ai craqué, je suis rentrée, je vois la vendeuse. Je dis, excusez-moi, s'il vous plaît, vous auriez ce jean en taille 34, s'il vous plaît ? 34 ? Vous êtes sûr? C'est pas plutôt un 40 qu'il vous faudrait? Tournez-vous?
Ça fait longtemps que vous avez pas fait les boutiques? Ah ben non, parce que là, franchement, je vous l'ai dit, hein, vous rentrez pas une jambe. Eh ben non, vous êtes grosse. Eh, vous voulez pas plutôt 2, 34, un pour chaque jambe? Mais ferme ta gueule! Mais c'est ça les nouvelles techniques commerciales qu'on leur apprend aux vendeuses? Mentir aux clients? C'est bon, elle m'a tellement énervée, j'ai attrapé mon 42, je me suis cassée. Alors quand je suis rentrée chez moi, j'ai essayé mon jean taille basse serré et là... Actrice, bah écoute, je m'essaye. D'accord. Sur scène, ça se voit, mm-hmm. normalement. Enfin, pendant une heure. Là, d'accord. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Ouais. Mais dans mon spectacle, il y a beaucoup de personnages, etc. Et puis là, j'ai tourné quelques petites séries, pour l'instant, internet, etc. Je commence à faire des castings. Bon, c'est un long métier. Je ressemble à un rôti de bœuf ficelé. Mais maintenant que t'as vu ça, je vais être obligée de te tuer. Mais moi, perso, je m'en fous de ressembler à un rôti de bœuf parce que je sais qu'il y en a qui aiment le bœuf, n'est-ce pas? Bah écoute, moi j'ai commencé avec Claudia, ah. Thomas, Noum, avec qui j'ai créé Comedy Club, alors avant le comédie, avant, juste avant. Donc en fait, j'étais dans une vague qui n'était pas liée à la mode, ouais. Et qui me convenait vraiment beaucoup. En fait, c'est eux qui m'ont donné envie de faire du stand-up. Ok. Donc c'est vraiment mon truc. Et en même temps, ça me permet de faire ce métier parce que, bah, naturellement, c'était ma nature, tu vois, parce que l'humour... Tu te décourages très vite si c'est pas ton truc. Ouais. Moi, je sais pas trop. Ouais, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile, mais ça se travaille. Ça, si t'aimes ça, tu le fais. Enfin, je dis pas que j'y suis arrivée parce que moi, je continue tous les jours à essayer d'améliorer ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, j'aime ce que je fais. Mais, et puis, ça te donne une espèce de respiration entre justement les tournages que tu fais, les castings que tu fais et tout. Tu vois, avant de tourner tous les jours et tout, bah, en attendant, t'as la scène. Et quand t'aimes la scène, bah, t'as du mal à t'arrêter, quoi. D'accord. Parce que le public, c'est vachement d'oxygène. Non, vraiment, je pense que Dieu est un homme. Et c'est pour ça qu'il nous a aussi donné beaucoup d'humour. Bah ouais, il nous faut quand même beaucoup d'humour pour attendre seul le soir de son propre anniversaire au restaurant et recevoir un appel, mais juste au moment de la fermeture. Allô, bébé? C'est pas ce qui m'est arrivé? Oh, écoute, j'étais chez Joe avec Mehdi, on parlait, après je t'ai oublié. Ouais, dis donc, t'es drôle, toi, connard! Le problème, c'est qu'à l'époque, je me suis donc retrouvée célibataire, je l'ai laissée tranquille et j'étais assistante commerciale. Et ça faisait pas du tout fantasmer les hommes. Regarde, il n'y en a pas un qui a la bouche ouverte. Du coup, pour qu'ils me laissent des messages sur mon répondeur, je leur disais que j'étais hôtesse de l'air. Ça marche. Le message sur mon répondeur, ça marche trop bien, les filles, c'était « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de... Oula, la température intérieure de ma chambre est de... Oula. Quand je passe dans les allées avec mon petit chariot, les gens font « Oula !» Absente pour le moment, je m'envoie en l'air entre Sydney, San Antonio et Brian. Alors, attachez votre ceinture et laissez votre message après le bip. Bip. Mon atout, c'est plutôt mon énergie et puis ma personnalité. Voilà, je pense par observation de ce que je te dis, c'est ce que les gens me donnent. Parce que c'est très dur de se donner de se dire, alors voilà, donc toi, t'es comme ça. Non, je pense que je suis plus, c'est ma nature. Et je déteste jouer la fille sur scène. Enfin, c'est pas trop mon... D'accord. Je pense qu'on n'a pas besoin, tu vois, t'es belle. Non, t'as pas besoin de montrer que t'es belle. Enfin, je veux dire, voilà, c'est évident. Bon, après, dis autre chose. Après, faut aller voir les kinés. Oh, tu connais pas les fans? Oh, pauvre de toi, oh, regarde, j'ai bouche pour toi, oh, le pauvre pied. Il est dans ce micro. Vas-y, donne-toi, Non. Donc c'était Katia Doris, on va faire le show. Je suis donc à partir de janvier, un peu dans toute la France avec mon nouveau spectacle qui s'appelle Avec plaisir, mise en scène par Cartouche, et on va faire le show, quoi. Putain, merde! Alors, on va faire le show, c'est un concept dans lequel, en fait, on reçoit un artiste qui a une grande notoriété. Et après, ça nous permet, nous, de pouvoir faire connaître d'autres artistes. Okay. Puisque le fait de dire, par exemple, voilà, on reçoit, je sais pas moi, un grand animateur, comme par exemple, voilà, qui arrive dans l'émission, on se dit, bah voilà, moi, je vais regarder cette chaîne.
Et grâce à ça, on va pouvoir découvrir des jeunes talents qui viennent, ce que nous on appelle, de la culture urbaine. Donc, okay. Tout ce qui vient à peu près de l'Afrique, des quartiers, voilà. Le métissage. Donc, le métissage, ce mélange. Voilà. Le mélange là, c'est vraiment ça qu'on veut mettre à l'honneur dans cette émission. Et c'est pour ça qu'on utilise, on peut dire, le grand artiste qui a la renommée pour pouvoir justement avoir plus d'auditeurs et faire connaître d'autres personnes. Ok. C'est vraiment ça. C'est l'idée de, quand je regarde la télé, je me dis, j'écoute de la musique que je ne vois pas à la télé. Et quand on regarde la télé, des fois on veut voir les artistes qu'on écoute en musique, mais des fois dans autre chose que ce qu'ils sont. Et aujourd'hui en France, on n'est pas représenté là-dedans, et même dans les autres chaînes, on ne voit pas cette diversité-là comme il se devrait. On reste encore beaucoup dans l'élitisme, je pense, de dire, bah voilà, parce que je connais un tel ou parce qu'il est dans un certain cercle précis, on va lui donner le droit de citer à la télé. Or que la télé, c'est fait pour découvrir les choses. En tout cas, moi, je le prends comme ça. Donc c'est pour ça vraiment que ce projet-là, je me suis dit, ben, il n'y a pas la télé qui nous ressemble. Il n'y a pas la télé qui nous ressemble. Donc nous, on va vraiment faire la télé qui nous ressemble pour simplement faire vraiment connaître aux gens un plus large panel, et aussi il y a des gens qui connaissent déjà, donc ils ont envie de voir ces artistes là donc voilà. Bon, alors c'est la fin de l'émission. Non, mais non, pas tout, il y a à fait la vérité. Venez Jessie. Yes. Tu dois promettre de dire la vérité, toute la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, la vraie de vraie, hein. Voilà. Vérité, vraiment. D'accord, alors. Parce que c'est pas moi qui vais poser les questions. C'est trois jeunes filles qui sont dans le public. Alors je vais demander à Estera, Mariam et Marly de me rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Donc, vous faites comme les inquisiteurs, vous mettez les unes derrière les autres. Voilà. Vous le regardez droit dans les yeux. Exactement. Dis-moi la vérité. D'accord. Dis-moi la vérité, monsieur Jesse Matador. Alors, dans Zotoke, tu cites le Cap-Vert. Dans Décaléguada, tu cites la Guadeloupe. Tu dis que t'es fière du Zaïre, mais tu le cites pas souvent, en fait. Ah bon? Pardon. Dans des Caléguada, à un moment, je dis Ah, c'est les Sao Sungandi. C'est en quelle langue? Ah, c'est en Lingala. C'est quelle langue? Ah bon. C'est quelle langue? Ah bon. D'accord. Non, elle n'a pas été chez elle. Laisse-la, Jessie. Ah, laisse pardon. Doucement. C'est pour ça. Doucement. Non, c'est pas grave. C'est pas une grave. Une autre question? C'est bon. Merde. Oui. On l'applaudit vraiment bien fort, s'il vous plaît. La suite, s'il vous plaît. Il me faudrait que la vérité. Je voulais savoir, en fait, parce que parmi le public, je suis manager d'un petit groupe, et je voulais savoir, en fait, si tu faisais des castings pour tes clips ou autres. Oui, toujours. Bon, en fait, avant, je les faisais, mais maintenant, pour les clips, il y a aussi une agence qui s'occupe de ça, tu vois, qui prend des personnes. Après, moi, quand j'ai des coups de cœur, comme pour des Caléguada, pour Shannon, ou à chaque fois, ouais, parce là, qu'on je les fais fait venir. Ouais, voilà, que voilà. Tu as ton groupe. Mais sinon, en général, c'est une agence de casting qui le fait. Ça, c'est une question facile, ça. Ça, c'est une question très facile. C'est ma question, mais... Ça, c'est... Est-ce que tu peux m'inviter dans ton clip? Donne ton nom, s'il te plaît. Bonjour, c'est Marly. S'il vous plaît, silence. Comme à l'école. Donc, c'était pour te dire quelles sont tes ambitions pour le futur. Quelles sont... voilà. Encore une fois, c'est une question facile. Non, mes ambitions, c'est toujours aller de l'avant, quoi. Tu vois, c'est... Ouais. Ce qui est dommage, c'est qu'en France, on n'est pas beaucoup promotionné, les gens de la diaspora, tu vois. Tu vas regarder la télé, par exemple, une chaîne de télé, de clips toute la journée. Tu verras, si c'est pas Econ et autres, africains vraiment, t'en verras 3 sur 125 000. Tu vois, donc c'est ça, c'est vraiment qu'on soit plus vraiment dans les écrans en France, qu'on essaie de développer plusieurs projets pour que tout le monde ait sa place. Quoi. On dit mixité, faut que ce soit partout. Faut pas seulement, tu prends au gouvernement, tu prends seulement un noir pour dire que. Télé, tu prends un noir. Là-bas, tu prends. Non, il faut qu'il soit partout pareil. Quoi. Et tu penses que l'émission remplit son rôle vraiment? Alors là, cousin. C'est Château Noir. Tu vois, c'est ça qu'on aurait voir un peu partout. Ben là, on s'applaudit bien fort parce que ça, venu d'un artiste, c'est vraiment bien. Alors, ouais. Moi, je vais juste faire... Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai fait deux petites panocytoses. Oh là. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Donc, c'est une maladie qui touche essentiellement toute la population qui est là. Donc, on lutte pour ça depuis... D'accord. Maintenant, c'est la troisième, cinquième année qu'on est dessus. On se bat. Donc, moi, j'ai envie que tu fasses passer ce message comme toi. Tu vas souvent dans les télés, etc., que tu parles de cette maladie. Juste déjà qu'ils entendent ce nom-là pour qu'on puisse aider beaucoup plus les malades. Parce que justement, comme tu as dit, notre public-là, il souffre de quelque chose et personne n'en parle. Autre question rapide. Que penses-tu des jeunes d'aujourd'hui? Comment sont-ils? Non, la jeunesse d'aujourd'hui, en gros, tu peux pas les carottes, ils connaissent tout.
Ah ouais, tu peux pas aller. Même mon enfant, il a 5 ans. Tu veux ramener des AP... À l'époque, moi, quand on avait des APMI, ce sur la lumière. Vas-y, ramène ça, mon petit frère, tu vas voir. Ça fait king, ça s'allume. Vas-y, ramène ça, mon petit frère. Il va dire non. Moi, je veux des Nike. Vas-y, ramène-lui. Je viens de nous voir, c'est des rebelles. Et voilà, soyez rebelles, soyons rebelles, allez. Soyons rebelles. Allez. Mais conscient. Mais discipline, voilà, discipline aussi. Discipline, c'est important. Et il faut vraiment ouais. Impliquez-vous, ok. Merci à Jessie Matador et... Merci. Ces trois co-présentatrices de présentateurs et de présentateurs. Donc maintenant, une émission, on va faire le show sans show, c'est pas possible ça. Non, pas du tout. Donc Jessie Matador va nous faire son show final. Dis tout sans prince, le possible, voilà. Mais il est trop chaud. Ça se fait beau là. Ouais. Les mecs qui se maquillent, du jamais vu. Non, mais du gel dans les cheveux, c'est la nouvelle génération. C'est lui, mais de danseurs, d'artistes. On dit quoi? Ah oh, bien, ça va tranquille. Ouais, comment tu t'appelles? Hamilton. Hamilton. Et tu fais quoi? Bah, je suis danseur de Jessie Matador. D'accord. Voilà, et Air Force One, le groupe du moment. Du moment? Ouais. Et le pas du moment, c'est quoi? Oh, ouais. juste avec les bras, comme ça, fais-moi une petite démo. K. Vous avez vu? T'as tout compris? T'as tout suivi? Ouais, c'est ça. Tu peux le refaire, toi? Julie, allez? Oui, bien sûr, ouais. Non. Ça va reste aller. Le maquillage, ça ira. Bon, alors le premier, il s'appelle Sammy Techno. Sammy, Hinda, Sammy, ma, ça, hey, Sammy, c'est bon, doucement, pas beaucoup, un peu, Hamilton, Hinda, ma, rock, sexy chocolat, et soit, sexy, ma, sexy chocolat, on y va, ma, un, wa, ça, ouais, ma, souké, allez, ma, fais du bruit, s'il vous plaît, quand même, ok, le prochain, on l'appelle Bala, assiette, Bana mulang, ma soka, hilanga ma soka, choka gilenge de choka, chata, tick, soufe, mama, chipa mama, abeta, mama, triki diki de sieta, Coimbico. Hinda, ma, ta, ma, ta, ma, ta, wa, ta, a beti boy, a beti boy. Le dernier là, regardez bien, il s'appelle Drix Meteor, héritier, yata, maquille-nous fort, Hinda. Fort, Hinda, Cheta, Mantu, Tatu, Sa, Kabata, Sa, Ma, Sa, Ma, Kata, Wa, Tuke, Ale, Ma, Ale, Tuke, Eh, Chikati, Yata, Mama, Chikati, Trix, Hinda, Cheta, Mama, Pena, Mama, Trikati, Cheta. Ok, merci. C'était Air Force One. Pull up. Alors eux, c'est Air Force One, quoi. C'est les petits des petits, quoi. Faites du rubour, s'il vous plaît. Alors maintenant, pour continuer, j'aimerais qu'on voit un dernier truc. Moi, je veux dire, celui-là, je ferai un morceau spécial pour mon pays. Car, mademoiselle, et oui, j'aime mon pays. Donc, moi, je veux dire, le public, vous allez dire RDC, ok? Le public, j'attends pas. Vous dormez ou quoi? Le public, c'est le public.
Chaima, voisin, d'habitude la rue de 94. Voilà. Bah Jessie, hein, si tu cherches une nouvelle danseuse, je crois que tu l'as. Dans cette émission, alors dans tout ce qui est ambiance européenne, on a reçu donc Youssoufa, on a reçu Karine, Singila, on a reçu la section d'assaut, on a fait Nesby les Canardo, Karine je l'ai dit, Black Barbie, faut pas oublier aussi, qui vient du Cameroun, et Siku MC, on a fait Mokobe aussi, et on va faire bientôt là, le 113, et on a aussi d'autres surprises. Envoie la musique, dit. Yo, Betty, Yagao. Non, non, Betty, Yagao. Ouais. Bonsoir à tous. Yago vite, c'est les Sao. Arrête-toi. Ah, Bakari Saka, tout le monde a parlé. Allez, tout le monde, tout le monde. On y va. Tous les Congolais, debout, Congolais. Je vois tous les Congolais, debout. J'ai dit tous les Congolais, debout, Congolais. Je vois tous les Congolais, debout. Tu connais la puissance, on fait l'effet d'une flamme. Et habitant des sens, Jovic et les Sars, le Congo dans le sang. Ressent de couleur et tu le sens dans le sang. Fier de nos terres, la fierté de nos pères. Chez nous y'a la joie et pas la guerre. Unis à nos frères et sache qu'il y a rien plus chaleureux que le pays. Un souci à mon cas, ma Congolais va la mouki. Et mon délai c'est le qui. Kili Tchambombo, a Tchamoukili. A Tchambombo, a Tchamoukili. A Tchambombo, a Tchamoukili. A Tchambombo, a Tchamoukili. A Lambombo. Aaaaaah, là-bas. Welinini. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ok, on y va. Aïe aïe aïe. Tous les Congolais, debout, Congolais. Je vois tous les Congolais, debout. J'ai dit tous les Congolais, debout, Congolais. Je vois tous les Congolais, debout. Bande konabiso e, bozala na kimiaye. Oye balo waka, malo bana bago e. Oye bafinga ka, bafinga na bago e. Oh, ma tonga ka, ma tonga na bango e. Mazize, mazize wa, mazize, mazize wa, mazize, mazize wa, ze wa, ze wa. Bisho ya basonda congolais. Oh ya chefu akoswa kwenta kina buluo. Jata, sieta, 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 venez, venez, on y va. Sieta, sieta, viens, sieta, bata moudi la monte. Sieta, 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 sieta. Congolais, debout, Congolais, je veux voir tous les Congolais, debout. J'ai dit tous les Congolais, debout, Congolais, je veux voir tous les Congolais, debout. Comme ça, comme ça, comme ça. RDC Téléma, Congolais droit comme un dit. La main sur le cœur pour le pays. Ok, allons siège, on y va. Comme ça. Amachika, amayambula, amachika, kongwelengi. Amachika, amayambula, amachika. Amachika, amayambula, amachika. Amachika, amayambula, amachika. Sieta, 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 jata mudila. Sieta, 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 jata mudila. Sieta, 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 jata mudila. Sieta. Botana, botana, zila na ye, oh yeah. Bala kumba ba ina gabona nini, oh yeah. Ah bon, hein? Ok. Allez, tu vois, donc c'est ça, on va faire le show. On va monter sur scène, toujours. Dédicace à toute l'équipe parce que c'est vraiment bien. Bien organisé, c'est carré, tout ce qu'il faut. On manque pas de rien. C'est bien, donc on va faire le show, c'est une grosse émission. Il faut le pousser jusqu'au bout. On espère que ce soit vraiment un truc qui a de l'avant et qui est saison 1, 2, 3, 4, jusqu'à 27, jusqu'à 30 même. Parce qu'on va faire le show, c'est un bon concept. C'est bien, il faut soutenir le projet. Regardez l'émission, soutenez les prisons. Faites-le parce que c'est des choses importantes. Ok ? On va faire le show, très important. Monsieur Jesse Matador, on va faire le show. On va faire le show. On va faire le show. Hey DJ, monte le son. Allez les blessings, montre-nous ce que vous savez faire. Alors on y va, monte le son DJ. Allez Jesse. Ok. Fier de nos terres, la fierté de nos vers. Chez nous y a la joie.
joie et pas la guerre unie à nos frères et frères. On y va, on y va. Un souci en bon cas. Un bongo n'est pas la Chambobo, un chamouki. Chambobo, un chamouki. Chambobo, un chamouki. Chambobo, un chamouki. Chambobo. Ah là là. You my welly nini, oh yeah, ay ay ay. Tila na ye, oh yeah, ay ay ay. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Tous les Congolais debout, Congolais. Je veux voir tous les Congolais debout, Congolais. Allez, on applaudit bien fort, monsieur. Aïe aïe aïe. On blague pas. Allez, qui cause qui m'a boubou, ce n'est pas ce quota de. Big up à la Cile Sao, 20 000, on veut des taux. Bientôt l'album de la Cile Sao. C'est très chaud, Jessie Matata. Oui, j'écoute. J'adore. On va faire le show. C'est bon. Merci. When the night has come, doom, 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 and the land is dark, and the moon is the only light we see.